Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi une fois encore. Et on a connu un petit problème au départ de cette émission, mais nous recommençons encore par la grâce de Dieu. Je vous salue où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer cette émission, nous allons prier et recommander ce moment dans la main du Seigneur. Et très désormais, nous te disons une fois encore, merci pour ta fidélité. Nous te recommandons ce direct dans tes saintes mains, que le Saint-Esprit prenne compte du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir, une fois encore, je voudrais vous présenter quelqu'un que vous connaissez déjà. Maman Coupé-Médi Philomène. Amen. Que vous connaissez déjà, bonsoir. Que vous l'avez vue une fois encore. Ici, elle est présente avec moi sur ce plateau. Nous allons partager ce moment exceptionnel ensemble. Mais avant de lui donner la parole, ou avant de la présenter, nous allons chanter une adoration pour notre Seigneur. On y va. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est une grande joie de partager ce moment avec vous. Je voudrais que vous partagiez ce direct, ça va faire du bien à quelqu'un. Comme je disais tantôt, je vous présente Maman Coupé-Médi Philomène. C'est ma maman spirituelle. Pour toute personne qui la connaissait déjà, ils vont se poser la question, pourquoi il appelle sa soeur sa maman? Parce que c'est elle qui m'a donné, qui m'a montré le chemin de Jésus. C'est pourquoi c'est ma maman spirituelle. Je vais lui laisser la parole. Elle va se présenter une fois encore.
Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Alléluia. On m'appelle Coupe Medhi Philomène. Que le nom de Dieu soit loué à jamais. Amen. Oui. Amen. C'est une grande joie. Ce soir, nous allons partager ce moment avec une louange merveilleuse. Je vais demander à la régie. La régie, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Elle est toujours présente. Comme nous sommes toujours bénins, nous vous présentons toujours des bonnes choses du Bénin. La régie, nous allons danser avec un son merveilleux, c'est un Ivoirien, et il va nous chanter une chanson pour la gloire du Seigneur. La régie va lancer cette louange pour la gloire du Seigneur. Notre thème de ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, soyons concentrés. Hé, hey, Aouliè, quand tu viens dans la maison de Dieu, là, il faut bien te tenir. Pas un Dieu que tu vois, là, c'est pas camarade de quelqu'un. Soubrou! Tu es dans ton WhatsApp, tu es dans ton TikTok, tu es dans ton Snapchat. Bien Dieu, il faut cliquer dans ça. Pas une église là, c'est la maison de Dieu. Et Dieu, c'est pas ton camarade. Et Dieu, c'est pas ton camarade. Et Dieu, c'est pas ton camarade. Tu es bien à l'église. Je suis dit, on dit faut t'élever, tu veux qu'on te dise, s'il vous plaît. On dit il faut chanter, tu veux qu'on te dise, s'il vous plaît. On dit il faut danser, tu veux qu'on te dise, s'il vous plaît. On dit il faut acclamer, tu veux qu'on te dise, s'il vous plaît. Même pour dire amen, tu veux qu'on te dise, s'il vous plaît. Et Dieu, il faut quitter. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux, il est merveilleux. C'est une chanson extraordinaire. Quand tu viens à l'église et tu as toujours ton WhatsApp devant toi, ton Facebook, Dieu n'est pas ton camarade. Le frère, il a bien chanté. Maman Philomène, comment vous voyez cette chanson? Vraiment, c'est merveilleux. Il a bien parlé. Voilà. Oui. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui viennent à l'église, ils ont toujours, ils sont sur Facebook. Tu te poses la question s'il est venu louer Dieu ou il est venu louer son Facebook. Je voudrais saluer ceux qui sont en direct, le pasteur Elie, oui, que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Je salue aussi ce que j'appelle Alaya Kausaratou, que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes vraiment ravis pour tout ce qu'elle nous fait chaque semaine ici, que les bénédictions de Dieu soient toujours ton partage. Amen, amen. Je vais demander à maman Philomène, Koupemedi, elle a quelque chose à partager avec vous ce soir. Je vais lui donner la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. L'Esprit Saint au milieu de nous. Ce n'est pas nous qui voulons parler, mais c'est le Saint-Esprit qui veut nous parler. Amen. Voilà, on prie. Seigneur, nous te bénissons. Merci d'être avec nous. Esprit de Dieu, parle à notre place. Nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, donc, ce soir, Dieu veut nous parler dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 1, de 1 à 4. Donc, je vais demander à Tonton J de nous lire ça rapidement. Là, c'est la régie qui va lire. Genèse 1, verset 1 à 4. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Amen. Donc, c'est le verset 4. C'est sur ça que nous allons nous appuyer plus ce soir. Il dit, Dieu a vu que la lumière était bonne. Là, il a séparé la lumière des ténèbres. Voilà. Donc, là, maintenant, je donne pour thème à mon exhortation de ce soir, la lumière du Seigneur. La lumière du Seigneur. Donc là, nous voyons que si on parle de lumière, parle de ténèbres, c'est deux choses différentes. Et si on parle de ténèbres, c'est carrément le mal. Mais si on parle de la lumière, c'est une bonne chose. Là où toute chose est sombre, on voit que si la lumière apparaît, tout est clair et tout est beau à voir. Donc, ce soir, le Seigneur, notre Dieu, comme le chant vient de nous dire que Dieu n'est pas notre camarade. Dieu n'est pas notre camarade. Je veux parler parce que nous sommes au début de l'année 2023. Tout le monde le sait, dans tout le monde entier, le 31, bon, les gens qui reconnaissent que c'est Dieu, à Dieu appartient toutes choses, vont à l'église. Mais même les païens vont à l'église. Bon, là, nous voyons que à 23h45, comme ça, on demande à tout le monde de réfléchir, de voir les hauts faits de l'Éternel. Tout ce que Dieu a fait l'année qui va s'écouler. Donc, là, tout le monde commence par dire merci à Dieu. Tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Et quand minuit sonne comme ça, alléluia, tout le monde commence par crier alléluia. On dit maintenant, voilà, nous voici dans la nouvelle année. Bon, demande ce que tu veux à Dieu. La première chose que nous demandons, c'est la prospérité, de l'argent. Hein, la santé. Mais il y a encore une chose plus importante que toutes ces choses-là que nous devons demander en première position. C'est quoi? Seigneur, aide-moi à toujours garder ta lumière en moi. Parce que si tu négliges un peu la lumière que Dieu a allumée en toi,
les ténèbres vont apparaître. Et si les ténèbres apparaissent, nous allons voir que les choses vont commencer par changer. Tu vas commencer par prendre Dieu comme ton camarade. Voilà. Donc c'est ça, c'est ça que nous voulons parler aujourd'hui. La première chose, c'est de demander à Dieu que ta lumière commence, continue toujours à lui dans ma vie. Ce que nous vivons et nous demandons les choses qui ne nous aident en rien. Les choses qui ne nous aident en rien. Voilà. Donc, ce soir, nous allons aller encore dans le livre de Matthieu 5, verset 14, qui dit, vous êtes la lumière du monde. Il parle de qui? Il parle de ceux-là qu'il a rachetés. Ceux-là qu'il a enlevés du monde. Ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et si nous sommes la lumière du monde, on dit, est-ce qu'on allume une ampoule pour la mettre sous le chandelier? On la met sur le chandelier pour que ça éclaire tout son entourage. Amen. Nous les chrétiens, que faisons-nous aujourd'hui? Nous sommes chrétiens cachés. Nous venons dans l'église, aux choses dans le cœur et nous nous présentons comme enfants de Dieu. Que le Seigneur nous pardonne. Cette année, il y aura beaucoup de changements. Ceux-là qui sont perdus, ils reviendront à Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, Psaume 23, verset 3 nous dit encore, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Donc, si nous gardons la lumière de Dieu, nous allons tout faire dans la justice. Pourquoi? Pour élever et glorifier le nom de notre Dieu. Donc, si nous marchons avec la lumière, c'est notre Dieu qui est glorifié. Si nous gardons ses commandements, c'est son nom qui est glorifié. C'est pourquoi David a dit, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Que le Seigneur soit avec nous tous. Amen. Voilà. Et ce que j'ai à partager avec vous ce soir, je prie à tout le monde qui m'écoute à ce moment que sa vie a changé complètement. Cette Amen. Année sera une année de fidélité, de sanctification pour chaque chrétien au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman Philomène Koukoumédi, pour cette parole qu'elle a partagée avec le peuple de Dieu. Je crois que quelqu'un a trouvé sa part dans cette parole. Parce que Dieu a créé la lumière, effectivement, et malgré la lumière que Dieu a créée, les hommes continuent toujours de marcher dans les ténèbres. C'est pourquoi Dieu a dit, maintenant je vais envoyer mon fils pour que nous marchions dans la lumière. Parce que l'homme continue de marcher dans l'obscurité et nous avons besoin de cette lumière pour bien marcher. Je vais demander à la musique, nous allons danser encore parce qu'il y a la dernière chanson. Le but de cette émission, c'est de danser pour la gloire du Seigneur. Nous allons danser, nous allons maintenant au Congo, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. La musique, si vous êtes prêts, nous sommes prêts. Yeah, my love.
Ce soir, je sais que tu es béni avec cette jolie mélodie et aussi les paroles qu'on a partagées ensemble avec notre maman Coupe-Médi, Philomène. C'est une bénédiction pour nous, cette maman, que le Seigneur vous bénisse, maman. Amen. Que le Seigneur bénisse aussi toute personne qui nous regarde en ce moment ou les habitués de ce direct. Je vous dis que nous sommes toujours au Bénin et nous ne sommes pas juste en vacances, mais nous sommes aussi en mission.
Parce que la Bible nous a déjà dit d'aller dans toutes les nations proclamer la bonne nouvelle. Et nous sommes en mission aussi. Et cette mission, je crois que quelqu'un sera béni avec cette mission que nous sommes, que Dieu nous a envoyé au Bénin sur la terre béninoise. Je voudrais saluer le caméraman de ce soir, Aladi Kausa, que c'est comme ça que je l'appelle, que le Seigneur te bénisse, monsieur le caméraman. Je salue aussi la sœur Koupemedi, Gitali, que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi la régie qui est toujours présente, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes magnifiques ce soir. Je salue aussi cette maison, là où nous, sur le plateau, là où vous nous regardez, la famille couvre-nous. Que le Seigneur vous bénisse, monsieur Romain et sa femme, Aladia Kausara, tu vois, c'est comme ça que je les appelle. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais donner la parole vite, quelques secondes, à Maman Philomène, si elle a quelque chose à dire avant qu'on finisse cette émission. Vous avez quelque chose à dire rapidement pour qu'on finisse cette émission? Un conseil ou... Sinon, je t'encourage à continuer comme ça. Merci. Tu seras richement béni par le Seigneur. Merci. C'est ma maman qui prie, hein, Dieu reçoit. Publier la parole de Dieu, c'est une tâche que le Seigneur Jésus nous a confiée. Alléluia. Si on ne le fait pas, on le doit. Et donc, tu ne vas pas devoir le Seigneur. Amen. Au amen. Contraire, c'est la bénédiction de Dieu qui jaillira sur toi. Amen. La parole déclare ne devez rien à personne. Donc, c'est une obligation de partager ou de publier la bonne nouvelle du Seigneur. Je salue aussi la sœur et la petite sœur et Winner qui est toujours présente ici. Prochainement, elle sera ici sur ce plateau avec moi. Que le Seigneur te bénisse, sœur Winner. Amen. Maintenant, nous sommes venus à la fin de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program. May God bless you. See you next week. Bye.